Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round, votre rendez-vous hebdomadaire MMA sur Sport en France. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des événements phares de la discipline diffusée sur votre antenne, c'est le MMA Grand Prix, avec l'organisateur Abdel Kaznadji et la figure de proue de cet événement, Title Shy. Bonsoir messieurs. Salut Lucie. Bonsoir. Bonsoir également à notre chroniqueur émérite Sébastien Love. Toujours le sourire, Sébastien. Toujours, bonsoir Lucie. Heureusement que tu es là. On va commencer d'abord par un petit tour d'actualité avant de nous pencher sur le MMA Grand Prix. C'est tout de suite le tour de cette actualité. Alors, est-ce que vous vous souvenez du premier combat de Benoît Saint-Denis à l'UFC? Il avait notamment rencontré Eliseu Zaleski et figurez-vous eh bien, qu'il vient de tomber pour dopage. Donc, l'USADA a fait un contrôle inopiné, c'était en avril dernier, et donc il a été contrôlé positif à l'ostarine. Il a été suspendu un an. Pour cela, Zaleski, qui quant à lui a nié complètement avoir sciemment consommé cette substance, son manager a même affirmé que cela viendrait des compléments alimentaires contaminés. Le laboratoire, bien sûr, qui dément avoir une quelconque responsabilité dans cette affaire. Donc le bras de fer a duré 6 mois entre Zaleski et le laboratoire, en vain, puisque cela ne changera rien à la suspension. Eliseu va donc devoir prendre son mal en patience. Ça ne va rien changer non plus au palmarès, entre guillemets, de Benoît Saint-Denis, puisque le contrôle a eu lieu après le combat. Mais Benoît Saint-Denis avait déjà quelques soupçons quant à ce dopage, parce que son entraîneur m'a confié qu'ils étaient étonnamment surpris par la robustesse du gaillard en face. C'est bien au moins, voilà, il y a une tête qui tombe. Je suis encore étonné qu'il y ait des combattants, ceux qui se font prendre, qui sont encore dans les excuses. Ah non, ah, c'est le complément alimentaire qui a dû être... Ouais, on le voit mal. Voilà, en vrai, on le voit mal. T'es dopé, avoue, faut t'avouer, à moitié pardonné, vite terminé. Ouais, mais alors... là, effectivement, contre au moins Benoît, je pense que ça va... Bon, ça échangera pas sa vie, mais au moins les soupçons qu'il avait, bah, ils sont fondés, et puis voilà. J'espère que ça va faire avancer un petit peu la lutte. Ouais, mais alors après, c'est vrai que niveau réputation, on imagine mal un combattant avouer quand même cette erreur. Ce serait compliqué, ouais. Non, Abdel? Ouais, mais là, maintenant, ça y est, une fois que t'es pris, t'as... Bon, bah oui, ok. C'est vrai qu'une fois que t'es pris, voilà. De dire j'ai peut-être bu dans le verre d'un autre, c'est un peu... Voilà. C'est peut-être une théorie. Les résultats des Français qui ont encore été probants ce week-end. Et d'ailleurs, Sébastien, tu étais en Belgique ce week-end à l'Atomic Fight. Atomic Fighting Championship, c'est une première édition. C'est vraiment un très bel événement. J'ai été étonné de l'ambiance, de la qualité des combats. Il y avait 9 combats, il y avait 5 combats amateurs et 4 combats professionnels. Et agréablement surpris. Voilà. Alors, je sais qu'ils sont en partenariat avec ceux qui font l'European Beatdown. Ça se voit dans l'organisation, ça se voit dans la qualité des combats. Et les petits Belges, ouais, ils ont toujours eu un gros potentiel, mais là c'est bien. Il y en a un notamment, bon, c'est pas un Belge, c'est un Français, mais Brandon Brachet. J'adore ce gamin, il a 17 ans, c'était son 11e combat. Non. Je pense qu'on va vraiment en entendre parler dans pas très longtemps. Et ouais. Le Brésilien aussi, Alisson. Alisson Silva, ouais, assez étonnant. Il s'entraîne en France. Hein. Ouais, il s'entraîne en France et globalement, le stéréotype du Brésilien. Il fonce, rien n'est jamais perdu, il fait le spectacle et c'est ce qui contribue justement à la qualité de cet événement. Et ils en font un le 23 octobre au même endroit à Mons en Belgique. Très bien. Et les Français qui étaient également nombreux à UAE Warrior Africa. Alors là, on avait une très grosse escouade et les résultats ont été au rendez-vous. L'escouade tricolore a été performante avec Prince Aounala, Nora Cornol et Yazid Chouchan. Donc que des belles victoires. En revanche, Emar Guy, Paul Emmanuel Niaz et Kevin Oumar se sont inclinés. Prince Aounala, que j'expliquais à ses débuts, j'adore ce combattant. Humainement et en tant que combattant. C'est vraiment un mec super. Je suis content qu'il ait gagné, Prince. Et il a confirmé encore une fois pour ce UAE Warrior Africa. Et l'autre nouvelle, c'est José Aldo. José Aldo qui prend sa retraite. Il raccroche les gants, Sébastien. Il raccroche les gants, ouais. Alors bon, y en a qui diront c'est mieux comme ça. D'autres, comme moi, des passionnés, qui diront bah non, il y avait l'UFC Brésil en janvier. Ça aurait peut-être, il aurait pu continuer au moins jusqu'en janvier. Mais bon, Aldo, il arrête à 36 ans, 18 ans de bagarre. Et puis l'histoire est belle de José Aldo, parce que c'est un gamin qui vient des favelas, il se faisait maltraiter quand il était gamin, donc il s'est mis au MMA. Ça fait un petit peu série Netflix, et pour le coup il y a eu une série sur sa vie. Donc moi j'aime bien, c'est quand même quelqu'un qui a eu la plus longue défense de titre à l'UFC, 18 combats, 18 victoires consécutives quand il combattait. Et il a eu ce truc de champion, la descente aux enfers suite à ce combat en 2015 contre Conor McGregor, qui pour moi reste
bon, Connor, c'est un lucky punch. Hein. Après, ça, c'est mon avis personnel. Jamais il doit perdre ce combat. Et là, c'est la descente aux enfers. Mais avec le mental qu'il a eu quand il était gamin, parce qu'il est quand même sorti d'une enfance très difficile. Hein. On peut parler aussi de sa cicatrice, un accident. Alors, je vais un accident de barbecue. On ne saura jamais ce qui s'est passé. La peau ne s'est pas régénérée. Donc, on l'appelait Scarface. Il y a tout ce truc autour de José Aldo qui a fait sa légende. Et ce combat contre McGregor, 13 secondes de combat, boum, un lucky punch, il tombe. Bon, moi j'étais frustré. Il a su revenir. Il chope la ceinture intérimaire contre Frankie Edgar, si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, c'est plus la même chose. C'est plus le José Aldo qu'on a connu parce qu'il y a eu cet événement marquant, cette perte de titre contre McGregor. Après, il la repère contre Holloway, Max Holloway en 2017. Et puis après, bah, c'est en Dents de Scie, un combattant. Voilà, je gagne, je perds. Et son dernier combat, il le perd contre Merab Djalishvili. Désolé si j'écorche un peu le nom, le géorgien. Et il annonce sa retraite. Bravo José Aldo, moi j'ai eu la chance et le privilège de passer du temps avec lui quand il est venu pour le Festival des Arts Martiaux, on a fait le filage toute l'après-midi, un mec d'une humilité incroyable, à qui j'ai appris quelques gros mots en français, mais ça je ne peux pas le dire. Waouh, l'histoire retiendra ce moment. Voilà, mais il a un très bel accent français. Bravo, hein, vous pouvez être fier Seb. José Aldo, il vous inspire messieurs? Ouais. Sacré personnage, sacrée histoire. Toi qui es striker, en ouais, plus dans l'âme, j'imagine ouais, que c'était un de tes combattants préférés, ouais, peut-être carrément, ouais, carrément, ouais. Oui, il en faisait partie. Title, toi, c'est pareil? Bien sûr, comme dit Seb, pendant 10 ans, il était invaincu, et un jour au lendemain, il se prend un KO. Mais c'est un combattant, pour moi, qui est très très solide, parce que le plus dur, c'est se relever. C'est ça. Et lui, il a su se relever, après une défaite de 13 secondes. Il a su se relever et aller chercher le second titre. Non, vraiment, c'est quelqu'un où on peut prendre comme exemple. Et c'est ça, parce qu'on a beaucoup de champions qui sont invincibles pendant une période donnée, et puis du jour au lendemain, ils prennent une défaite, et là, d'un seul coup, la graine du doute est plantée dans l'esprit, et ils ont beaucoup de mal à se relever. Et là, José Aldo, justement, il a montré sa force de caractère à travers cette fin de carrière extrêmement persévérante, résiliente. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est par rapport à tout le parcours qu'il a eu. Il a connu ce genre de difficultés dans la vie. Ouais. Je pense que ça a été même beaucoup plus dur dans sa vie personnelle, dans son enfance. Donc pour lui, une défaite, même si pour un combattant, c'est triste. Voilà, il était au sommet, il a su se relever. Et ouais, c'est aussi ça un grand champion. C'est aussi ça qu'il va rester dans la légende de l'UFC et des sports de combat. J'ai cru comprendre qu'il allait peut-être faire autre chose que du MMA. Du catch? Ouais, peut-être du camion, mais pourquoi pas. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il faut qu'il vive. Mais j'ai entendu parler de boxe anglaise. Bon. Quoi, le bare knuckles? Ou boxe anglaise? Boxe anglaise. Boxe anglaise. Comme Anderson Silva. Anderson Silva, voilà, qui va combattre Jack Paul bientôt. Voilà, bon, il est en train de coffrer un peu d'argent, quelque c'est part. Ça, c'est voilà. Faut être honnête, ils ont besoin d'argent. L'argent, faut le gagner, c'est des combattants. Donc, c'est aussi une manière de garder la flamme allumée, quelque part. Ouais, exactement. Ouais. José Aldo, donc, qui a écrit l'histoire du MMA, et sa personne ne pourra jamais l'effacer. Il y a un autre homme qui a écrit l'histoire et il est avec nous. C'est le main event du MMA Grand Prix. On en parle tout de suite. C'est l'interview Spotlight. Est avec nous, on va lui donner la parole dans quelques instants, mais avant cela, Abdel, tu es l'organisateur du MMA Grand Prix, tu as eu une rentrée assez musclée, sportive, ouais. Donc c'est parti tambour battant, ouais. Et encore une fois, tu es parvenu en seulement quelques jours à nous obtenir une belle fight card et surtout un main event de qualité avec une légende, Jérôme Le Banner. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est monté tout ça? Jérôme, ça s'est fait, on en a discuté il y a quelques semaines avec son agent, avec qui je m'entends très bien. Bon, Jérôme, moi je l'adore, il a écrit tout mon... Enfin, je veux dire, il fait partie des gens qui... C'est à cause de Jérôme que je me suis mis au sport de combat. Ah, c'est dire, vrai. Ah ouais, carrément. Jérôme, c'est moi. Donc c'est beau quand on est organisateur mais de se dire fou. Qu'on fait combattre exactement. La personne qui nous a inspiré. Et on n'a jamais incroyable. Eu le temps d'en parler réellement ensemble. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Novotel. J'avais son t-shirt Jéronimo. Le gros fan. Il y a 4 ou 5 piges déjà pour te dire non, j'étais vraiment fan de Jérôme. Et puis là, de le faire combattre, c'est un truc de fou pour moi. Ah bah, je suis sûr qu'il est en train de rougir. Moi, c'est une légende, il restera. Je me rappelle de ses guerres contre Mark Hunt, tous ces trucs-là. Là, j'étais comme un fou, moi. Jérôme, c'est bonhomme. On peut dire ce qu'on veut. Avec un grand B. Ouais, exactement. Transition toute trouvée, Seb, qui est Jérôme Le Banner pour ceux qui ne connaissent pas encore Jérôme Le Banner? Parce qu'il y en a peut-être qui débarquent aussi sur cette planète. Il y a peut-être les nouvelles générations qui ne connaissent pas ou qui ont entendu tout du moins parler de Jérôme. Jérôme Le Banner, c'est notre légende des sports pieds-poings en France. Il a écrit les plus belles lettres des sports pieds-poings, que ce soit en full, en kick, en taille, maintenant en MMA. Alors là, il revient sur Paris. La dernière fois qu'il était venu à Paris, c'était en 2005. C'était pour le grand tournoi. Il avait battu
un Biélorusse pointé ici par, par KO. On l'avait vu toujours en 2005, c'était contre Abidi, une guerre exceptionnelle. Ça, c'était pour le K1 World Grand Prix. Et Jérôme, après, donc, on l'a vu au Havre, il revient en France. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, la première fois, pareil, j'ai été baigné avec Jérôme Le Banner. La première fois que je l'ai présenté, c'était en 2015 au Festival des Arts Martiaux. On était au Palais des Congrès. Et c'était son... Voilà, il y a eu une surprise. On lui a fait venir Ernesto Houst. Je ne sais pas si tu te souviens, Jérôme. Hein, c'était un moment incroyable. On avait fait deux séances. Et là, de voir Jérôme et les gens qui étaient dans le public qui découvraient Jérôme, parce qu'il y en a qui découvrent Jérôme, on se dit « Ah, la légende est devant nous ouais. ». Et ce n'est pas galvaudé comme mot. C'est une légende. Il a mon âge, 49 balais. Il est encore sur le ring, on l'a vu au Havre. Il a combattu au Japon. Là, c'était en début septembre, il met KO son adversaire en une minute. Voilà, c'était un événement qui était organisé en faveur des enfants du tsunami. Ça, je tiens à le dire aussi, parce que Jérôme donne de sa personne également pour ce genre de choses et d'associations. C'est génial. Et voir une légende combattre encore à Paris au Cirque d'Hiver... Non. Bravo et merci pour ça Jérôme, merci et je vais encore avoir la chance de te speaker, je vais encore mettre plus le feu, tu vas voir. Et il est avec nous justement Jérôme, est-ce que tu nous entends? Ouais je vous entends très très bien, ouais c'est très bien. Alors Jérôme, bon là je pense que t'es assez honoré là, franchement on t'a brossé dans le sens du poil. Mais il le mérite. Ouais. Il le mérite amplement, tu forces le respect par ta persévérance, on va y revenir dans quelques instants. Où es-tu en ce moment Jérôme? Tu vis où en ce moment? En Asie, en France, en Corse? Comme disait notre speaker, là, j'arrive du Japon, où j'ai combattu dimanche dernier dans une réunion à Kumamoto, dans le fin fond du sud du Japon. Et puis, et là, donc, je suis revenu avec Trota, je me suis entraîné au Japon, à Tokyo. Et puis là, on continue la préparation avec, je pense que je vais voir bientôt Thomas Loubersan aussi, ouais, bien sûr. D'accord. Alors, au Japon, c'est plutôt pas mal comme option parce qu'il y a une vraie culture du MMA. Ah oui, depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Depuis la nuit des temps. Je connais tout ce qui était le sol et tout. D'ailleurs, on s'est amusé une fois avec des gens de mon équipe. On s'est fondu la gueule. Il y avait un combat $1 million, je pense que ça avait duré 25 minutes. Et c'était roulé. Enfin, je sais pas, c'était pas sportivement parlant, c'était pas très technique. Enfin, très technique au niveau du sol, mais nous, on voulait que ça se tabasse un peu en haut. Et puis, bon, les mecs, c'était enroulé, donc on avait rigolé là-dessus. Puis, ça nous avait valu une déferlante. Et justement, c'est là où le K1 et le Pride s'étaient mis, c'était un peu jalonné, quoi. Et alors, j'ai une question, parce que là, donc, tu es à Etretat, tu reviens du Japon, et tu es arrivé au Havre sur ton dernier combat avec une musique corse, si je ne me trompe pas. Quel est ton lien avec la Corse? Pourquoi ce drapeau corse? Bah parce que je suis avec une Corse, avec Coralie Camini, donc qui est doctorat en philosophie à la Sorbonne. Et puis donc je vais souvent là-bas, j'adore son père. Et puis les gens en Corse ont été très 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 accueillants quand on va sur la plage, tout ça. Les gens du hors de plage, les gens de la ville, tout ça étaient très très gentils. Donc ouais, je respecte. Enfin voilà. Et je trouve que c'est pas des Français, tu vois. Il y a ce côté un peu insulaire qui reprend dans le cœur et puis qui savent déverser un peu leur amour et puis un petit peu un côté un peu péchu, un peu taiseux, comme on dit ici en Normandie, taiseux. Est-ce que tu combats toujours en pied-point? Alors oui, là c'est le je pense que ça va être la je vais raccrocher. Puis en France, je vais faire aussi un truc au Sénégal le 17 décembre, ouais, avec Eric Favre. Qu'est-ce que tu vas faire au Sénégal? Kickboxing, je pense, ouais, c'est d'accord. Ça, kickboxing, ouais. Super. Alors, j'aimerais aborder la question de l'âge, parce que c'est un petit peu un sujet inévitable. Tu as 49 ans aujourd'hui, tu es toujours actif, et ça, en soi, c'est déjà une sacrée performance. Est-ce que tu ressens, quand tu t'entraînes, les effets de l'âge? Non, du tout. Pour l'instant, écoute, toi, je touche du bois. Hier, Michel Assem, comme on dit. Mais non, pour moi, non, il n'y a pas. Non. Peut-être la récupération, de temps en temps, est un petit peu plus dure. Donc là, je fais comme tous les sportifs français, américains, je me plonge, j'ai un bon sponsor qui s'appelle Cryothérapie et je plonge dans l'eau froide. Voilà, j'ai la chance d'avoir un bain froid à la maison, donc c'est cool que ça permet de régénérer plus les cellules mortes. D'accord, bah tu me donneras ton tuyau, ça m'intéresse. tu as construit toute ton identité autour du combat en tant que champion. Pourquoi aujourd'hui tu continues de combattre? Parce que tu as du mal à laisser partir cette identité? Tu as du mal à abandonner cette partie de toi?
Bah, y a des mecs comme Abdel, comme dit, donc ils ont, j'ai un peu baigné leur, leur enfance. Donc, comme c'est à Kumamoto, c'était pareil. C'était pour les enfants du tsunami, mais en même temps, c'était quelqu'un qui m'avait vu performer au, au Kawan, tout ça. Donc, c'est un plaisir pour moi. Et lui, c'est un honneur. Donc, bon, voilà, enfin, plaisir, plaisir, honneur. On ne sait pas où est-ce que ça commence et où ça finit, mais je trouve que voilà, ça me permet de rester un petit peu en vie, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça que tu te sens en vie, c'est ça qui te stimule, qui allume ta flamme, bon, c'est ça? Je sens qu'il va falloir que je passe à autre chose, parce que bon, voilà, faut voilà. Je pense que là, c'est les derniers soupirs. Et là, sur ta prépa, Jérôme, je me souviens qu'au Havre, tu l'as très mal vécu, ta préparation. Tu avais dit que t'étais renfermé sur toi-même, t'arrivais pas à t'ouvrir aux autres, t'étais de mauvaise humeur. Est-ce que là, pour le combat du 8 octobre, là, t'es mieux? J'ai l'impression, parce que t'as la banane, j'ai l'impression que t'es bien, là. Ah, je suis à fond. Ouais, j'étais pas bien. Ouais. C'est le Havre, 2 ans d'inactivité, le Covid, le machin, la vie personnelle qui est un petit peu, qui avait été un peu en branle-bas de combat, donc c'est un peu la merde. Donc là, ouais, non, là, I rock the world. Est-ce que, au fond, est-ce que tu serais vraiment capable de vivre autrement? Tu as déjà songé à ça? Qu'est-ce que tu comptes faire après ta carrière? Alors là, je suis en train de tourner un film avec Woody Allen en ce moment. Ah, donc, trop cool, on va te revoir à l'antenne. Avec Woody Allen. Ouais. Woody Allen. Ah ouais. Woody Allen, son dernier film qu'il fait à Paris. Non, il fait à Paris en plus. Trop bien. Donc, on commence ça le 16 octobre. Et après, je pense, il y a aussi la métaverse qui me fait un petit peu le dos, qui court un peu les chines avec un ami qui s'appelle Olivier Fabre, qui a été dans tout ce que le numérique, la fibre optique et tout ça. Donc, on va peut-être faire un truc, un casque intégré avec les combats, tout ça. Donc, c'est un projet hyper intéressant. Et je fais ça aussi avec Majid Nassa, qui est adjoint au maire, avec le maire du Havre, voilà. Et puis, d'autres trucs, mais pour l'instant, bon, il n'y a rien de signé. Comment tu t'es laissé séduire par Abdel pour le MMA Grand Prix, dis-nous tout. T'inquiète pas, il n'écoute pas. Comment il a réussi à te séduire pour le MMA Grand Prix? Qu'est-ce qui te donne encore envie de venir au cirque d'hiver, combattre pour ton public? Enfin, quelle est ta motivation? Tu peux dire qu'il paye bien, hein? Il paye bien, mais voilà. J'aime bien, c'est un mec qui... Il y a un esprit de famille, je vois. Il y a le beau-père, la belle-mère qui vient, la machin. Ouais. Et puis, ça donne un petit peu de... Ça donne un petit peu un contrepoid avec tout ce qu'il y a. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai entendu la transpiration, les machins, tous ces trucs-là, là. Ça permet un petit peu de contrebalancer. C'est bien, il y a de la place pour tout le monde. C'est touchant, Abdel? C'est touchant, ouais. C'est touchant. Merci, Jérôme. Bon, c'est super. Merci, Jérôme, pour ta disponibilité. On te retrouve donc le 8 octobre dans la cage. On a hâte de te revoir à l'œuvre. J'attends de te voir combattre très bientôt. Ben, on va s'encourager mutuellement. Je t'enverrai une invite, moi aussi. Merci beaucoup, Jérôme. Salut, Jérôme. Quel personnage. Hein. Ouais, j'adore, on adore. Gentil, humble. Ouais, on adore. Brut. Ouais, mais en fait, il est resté simple, en fait. Il a beau être une star internationale, et considéré presque comme un dieu vivant dans d'autres pays. Et voilà, il est resté simple, et ça, on aime, on aime accessible. Beaucoup. Au festival, il était accessible dès que les gamins, même les adultes venaient. Il n'a jamais refusé une photo. C'est incroyable. C'est vraiment... Le mot légende est... Ça m'a surpris au Havre. Il faut savoir que dans son vestiaire, c'est rare. Moi, on est venu me voir en me disant, s'il te plaît, Jérôme, on vient, on a fait des kilomètres. Donc, j'en ai pris quelques-uns en leur disant, venez, on va essayer de... Je suis arrivé, il y avait déjà une queue de 25 personnes. Donc, il autorisait les gens, après son combat, à rentrer dans son vestiaire, faire une photo. Il y avait une queue de personnes. Il a dû passer 1h30 encore après le combat. Torse nu, il était tout le temps en mode... il n'a pas pris sa douche, il n'a rien fait du tout. Le combat était assez rapide. Ouais. C'est vrai aussi. Il s'est vite servi de son étau. La popularité, il y a un autre combattant qui est en train d'en jouir, c'est Title Shy. Grâce à ce dernier combat, on l'a découvert donc, c'était en juillet dernier au Cirque d'Hiver, face à Cédric Doumbé. Tu as été téméraire, tu as été courageux et j'aimerais qu'on revienne sur ce combat face à Cédric. Comment tu l'as vécu cet épisode? L'avant, pendant, l'après, raconte-nous tout. Déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur le plateau. C'est tout naturel. après pour le combat, j'aurais bien aimé le rencontrer dans une autre circonstance. Mais c'était pas un problème, ça m'a apporté que de l'expérience et la joie et la bonne humeur, ce genre dans le sourire. Mais pour lui, je pense qu'il fait des cauchemars. quand tu dis dans d'autres circonstances, je sais, t'as été blessé avant, c'est ça? Exactement. Été rappelé en short notice, mais t'as été blessé, t'as quand même accepté, quoi. Exactement. Ouais, c'est doublement courageux, en fait, hein, ce que tu as fait. Bah, en fait,
d'où je viens, comme je dis, en fait, l'argent, il ne tombe pas du ciel. C'est à moi d'aller le chercher. En fait, j'ai une opportunité qui est quand même importante. Mm-hmm. Du coup, bah, je vais le chercher, je vais tenter. C'est plus, là, c'était plus l'opportunité financière ou sportive ? Sportive. Sportive. Ouais, parce que là, c'est, on ne va pas se mentir, Cédric, ce n'est pas n'importe qui. Champion de gorille. Et en plus, et c'est pour aussi savoir où j'en suis. Est-ce que je suis capable de tenir tête à une personne comme ça, à un champion ? T'as eu ta réponse, hein ? Et voilà. Alors, verdict, qu'est-ce que tu en as pensé de Cédric ? Tu penses qu'il a le potentiel pour aller loin à l'UFC ou pas ? Toi qui a été opposé à lui ? Franchement, le pied-point, on peut pas nier. Mais sinon, dans l'ensemble du MMA, c'est normal. Il y a quelqu'un de... Il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont meilleurs, par exemple. Et alors, il y en a qui sont meilleurs, mais en même temps, il n'a que deux combats. Bien d'ailleurs, sûr. Toi aussi, tu as deux victoires et une défaite, c'est bien ouais, ça ? Exactement. Tu es né en Thaïlande et tu es venu, tu t'es expatrié en France, c'est bien ça ? Exactement. Tu parles thaïlandais couramment ? Bien sûr. Tu peux nous faire une petite phrase en thaïlandais ? Sawadikap Tani, Pumio, Lucie, Abdel, Laga, Sébastien. T'as vécu un rêve éveillé à vous. Hein. Lui, il adore la Thaïlande. Regarde, on a une photo de toi à l'écran. Tu étais tout petit, ça c'était où ? C'était quand, Title ? C'était quand. C'était à Chiang Mai. C'est quand il y a eu la plus grosse catastrophique naturelle après le tsunami. Là-bas. Et c'est la raison pour laquelle tu es venu en France ? Exactement. D'accord, donc tu as une histoire un petit peu dramatique, quelque part. Bien sûr, mais après, je fais pas. T'en joues pas. Voilà, exactement. Mais est-ce que tu puises de la force là-dedans ? Exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que. Alors, tu viens de la boxe thaïlandaise ? Tu es thaïlandais, tu. Voilà. Bon, le pont est trouvé assez facilement. Pourquoi tu t'es laissé séduire par le MMA ? En fait, j'aime bien être polyvalent. Ouais. En fait, quand j'étais jeune, je me battais souvent. Et un jour, en fait, je suis tombé sur des grands. Des grands ? Des grands. Tu t'es dit en tas. C'est un petit peu compliqué. Donc, en fait, c'est là où je me suis mis au jiu-jitsu, à la lutte, etc. Et est-ce que tu as trouvé autant de plaisir que dans le Muay Thai ? Tu as réussi à trouver tes repères par rapport Bien à ça ? Bien sûr, encore mieux même. Ah, c'est vrai ? Bien sûr, non, parce que... Ça. Arrête, Seb Seb, tu présentes une émission de MMA. C'est vrai. Non, en fait, ça dépend des personnes. Mais comme en fait, moi, je suis une personne très polyvalente, donc c'est ce qui me convient le ouais, mieux. Ouais, t'aimes avoir une vision globale du combat, et pas seulement t'arrêter à un univers. Exactement. Écoute, je te rejoins complètement. Seb, tu nous agaces enfin. Alors, il se murmure qu'après le combat avec Cédric Doumbé, on t'a fait une proposition face à Grenhard Murtel, qui est le rival de Cédric Doumbé. C'est incroyable cette histoire. Son meilleur ami, ouais. Son meilleur ami, ouais. Ouais, kind of. Ouais. Oui, exactement, oui. C'est une organisation en Hollande. En hollandaise. Tout à l'heure, où il m'a pris une proposition, mais pas intéressante du tout. Pas intéressante à quel niveau ? Financièrement ? Aussi, mais c'est surtout comment il me l'a vendu, en fait. C'est vrai ? Ouais. C'est-à-dire ? C'est en gros, il me disait que, ouais, franchement, tu peux le faire, il y a une histoire à faire. Je l'ai vu tourner avec une femme amateur de 57 kilos. Elle l'a soumis et tout. Ils exagèrent un peu quand même. Ouais. Bien plus pour nous, c'est dévalorisant. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, mini-jambiste. Quand il m'avait dit ça comme ça, j'ai vite fait compris. Ouais. Tu te dis, OK, lui, il me prend pour un imbécile. Ah, ouais. Mais tu vois, là, moi, je trouve que tu aurais pu accepter. En MMA, je parle. C'est dans MMA qu'ils t'ont proposé. MMA, exactement. Ouais, mais en même temps, regarde, Seb, là, il a besoin aussi de se reconstruire. Enfin, je sais pas, j'imagine que tu es dans ce genre de calcul aussi. Enfin... Bien sûr. Après, franchement, j'ai pas peur du tout. J'avais le temps pour préparer ça. Mm-hmm. Mais je suis déjà avec Monsieur Abdel. Je peux pas. Oui, mais après. Ah oui, il y a une exclue. Vous avez signé une exclue tous les deux. Mais oui, t'as exclue en France. Ouais. Après, voilà, ça, c'est des trucs que ça. Et je préfère rester. Et franchement, je préfère rester avec ce monsieur. Gentil. Qui est vraiment très très gentil et ouais, il est bienveillant. Mais il y a le manager qui vient te proposer cet adversaire. Tu fais venir Grenard. Mais pourquoi pas, ouais. Et puis, je suis pas du genre à bloquer. De toute façon, s'il a une vraie opportunité, honnêtement, jamais je le ferai. S'il y a une vraie opportunité pour lui, à partir du moment où ça mange pas non plus sur nos projets, bien sûr qu'on le libère pour qu'il aille. Alors quels sont les projets justement pour Title ?
Alors, on a plusieurs combats. Alors, je vais pas dire de bêtises, qu'on a signé plusieurs contrats. Mais Title, je crois qu'on est sur 4 fights, si je dis pas de conneries, sur exactement. Cette année. Et après, avec Title, j'ai des vrais projets. C'est un personnage. On s'est vu en dehors de la salle, en dehors de l'événement. Il est venu, on s'est entraîné ensemble la dernière fois. On a mangé ensemble, on a passé une journée ensemble. Ça matche bien entre nous. Et puis, il a. C'est important, ça ? Ouais, parce carrément. Humain, pour toi ? Enfin, chez moi, oui, Seb, on se connaît. En fait, moi, t'as vu, il y a contrat, mais il y a aussi la partie humaine. Mm. On sait très bien que le contrat ne fait pas tout. Donc, si j'ai vraiment besoin de m'entendre avec les gens pour pouvoir bosser avec eux. Voilà. D'accord. Donc là, t'as des projets assez ambitieux pour Title ? Carrément. Moi, c'est un garçon que je vois très. Avec un avenir et une. Comment dire ? Il a une marge de progression, elle est colossale. Comme on dit, il a 3 combats. Ouais. Il ose, il y va, il tremble pas. Moi, je pense qu'il a un vrai bagage. Il a tout pour avancer s'il est bien pris en main. Moi, je pense qu'il va aller loin. Il est donc sur la carte du 8, là. Ouais, bien sûr. C'était obligatoire. Est-ce qu'il va y avoir des ceintures MMAGP au cours de la saison ou pas ? Ouais, on va lancer les ceintures. Après, moi, j'étais pas partisan de lancer les ceintures. Les Angas sont lancés. Puis, premier combat, première ceinture. Moi, je trouve que ça dénature un peu le truc. On a fait la ceinture des 66 parce qu'Alioune Naël la méritait. Il nous faisait 4 victoires, 4 combats, 4 victoires. Mais il se place numéro 1 dans sa KT avant les petites boulettes qu'il y a eu. Donc, c'était légitime. Title est un prétendant à la ceinture dans 2-3 combats, j'espère. Merci, c'est très gentil. T'as vu comment il met la pression ? On va la gérer, c'est pas un problème. Alors, étape après étape, rapidement, avant de conclure, ton adversaire, tu l'as analysé un petit peu ? Oui, j'ai regardé. Alors, qui est-il ? Que fait-il ? Comment tu vois les choses ? Je ne connais pas son vrai prénom, je sais juste qu'il s'appelle Khalis Tai. Il s'entraîne à Lyon avec Fares Ziam. Il est très très chaud, très bon vaillant, fort, il vient aussi de pied-point, mais il lutte aussi. Donc, on va faire un beau combat et j'espère que tu es prêt parce que... Ah, voilà. Eh bien, on a hâte de voir cette opposition. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés sur ce MMA Grand Prix, Abdel ? Alors, nouveauté, on est content encore d'accueillir. On va accueillir un combattant du clan McGregor, entre guillemets. On a un bel Irlandais qui vient là, ça, en plus, qui risque de, après nous, de partir vers des grandes organisations. On a normalement on a la chance de recevoir Kavanagh, donc le coach de. John Kavanagh, ouais. Exactement, ouais. Qui devrait être là aussi, enfin, qui a confirmé sa présence. Et qui est susceptible d'envoyer des combattants à lui aussi. Ouais, carrément, en fait, on travaille avec leur team aujourd'hui. Donc, le MMAGP va être alimenté par leur club, ouais, carrément. Et le volet amateur que tu souhaites développer désormais. Tout à fait, grande première, donc on est content, on a réussi à le mettre en place. C'était pas évident, Cirque d'hiver, parce que c'est une salle prestigieuse, il y a un coût. Enfin, voilà, le Cirque d'hiver, à partir du moment où vous allumez la lumière, ça coûte. Ça débite. Voilà, exactement. Donc, et on tenait à faire un coût pour les amateurs, parce qu'on reçoit beaucoup de messages. D'accord, il y a beaucoup d'amateurs qui ne combattent pas et donc on a décidé de lancer notre premier. Ça c'est le dimanche. Le lendemain, exactement. Week-end, une carte 100% amateur. MMA Grand Prix, ouais, exactement. Et amateur. Ouais, la cage bouge pas. Dernière question concernant le MMA Grand Prix, la communication. Tu t'es appuyé sur des influenceurs, des créateurs de contenu, des pages comme La Bagarre ou même La Transpiration. Alors, La Transpiration qui est une page un peu décriée, voilà, qui suscite beaucoup d'intérêt malgré tout, mais qui est arrivée avec un certain fracas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est monté, tout ça, quelle est la nature de ta collaboration avec eux ? Ben, La Transpi, ils sont arrivés par la porte arrière. Souvent, je dis ça, ils sont arrivés, c'était pas conventionnel, mais ils sont arrivés d'une façon particulière. Après, moi, c'est marrant, j'ai senti le truc assez rapidement, en me disant, eux, ils lâchent, ils font un vrai travail de médias, même si on dit qu'ils ne sont pas... Enfin, beaucoup disent qu'ils ne sont pas... que ce ne sont pas des médias, mais pour moi, ça en est. Ils sont en train de le prouver. Ils ont monté un site internet, ils référencent les clubs, ils font un travail de fond. Moi, aujourd'hui, c'est mes partenaires médias, donc je n'ai pas honte de l'annoncer. Au contraire, ils ont tout mon soutien et je continue avec eux parce que c'est des gens qui sauvent des choses. Je pense qu'ils ont un pouvoir d'attraction dans le milieu qui est assez colossal. On l'a vu avec Hatch, son événement, où ils ont couvert et puis il y a eu du monde. Ils couvrent mon événement aussi, puis je compte sur eux. Donc, il faut qu'ils se bougent. Ce sont un petit peu les Anonymous du MMA. Quoi qu'on en pense, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, en tout cas, ils ne laissent personne indifférent. Ça, c'est une certitude. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous voulons absolument savoir qui ils sont. Il y a un autre organisateur qui surfe justement sur cette vague Anonymous. C'est l'organisateur du FSP de Roubaix. Regardez la bande-annonce, elle est hyper originale. Le MMA est saturé d'amateurs. Il est donc temps pour le FSP de revenir faire le tri. C'est ici, à Roubaix,
ville de valeur où la moindre hésitation te coûte cher, que nous allons voir ce qu'ils valent vraiment. Rendez-vous le 24 septembre. 11 combats. Combien garderont la tête haute ? Now they coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switch codes, but he codes with focus. Staring down your team with a frozen ice cold look that can end the summer solstice. Et donc, Sébastien, toi, tu y seras, justement. Tu vas peut-être pouvoir nous dire qui est cet organisateur secret. Et oui, j'y suis. Donc, c'est à partir de samedi. Moi, j'ai fait leur première édition. On dit que les gens du Nord sont très accueillants. Venez à Roubaix. C'est une organisation superbe. Il y a un public incroyable et qualité de combat géniale. La première édition, c'était une réussite. Là, j'ai vu la carte de la deuxième édition samedi. J'ai hâte de speaker cet événement. Donc, venez à Roubaix. Le FSP, croyez-moi, ça vaut le détour. Merci beaucoup, messieurs, pour votre disponibilité. L'émission touche à sa fin, donc il est temps de conclure. Merci à tous pour votre fidélité. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le tour d'actualité du MMA. Bonne soirée.